Boyengo Tristan, Gerengo Vene Valentin, Goya Kitenge Bijou, Ilanga Bakonga Rigel, Ilunga Chivila Ogi, Ilunga Kitongwele Ala, Imana Mbile Norbert, Ignoki L'Enfel Sacré, Kabamba Waumba Isabelle, Kabanda Kaoboti Pierre, Kabedi Kazadi Micheline, Kabila Kabange Joseph, Kabwe Mwehu Longo Isidore, Kambay Chimbumbu Denis, Kamitatu Marie-Josée Sona, Kamondi Naseroa Ida, Kanimbu Shindani Michel, Kapia Tumba Augustin, Katumwa Mukalai Vicky, Kaumba Lufunda, Kazadi Ngoy Gabriel, Kazadi Nyembwe Dieudonné, Kibaya Munembwe Jean-Pierre, Kidima Zumba Ida, Kimbuta Yango André, Pama Baramoto Kata Filemon, Kunda Kisenga Irène, Lelo Nzazi Roli, Lilongo Bochili Banza Jean-Laurie, Lubala Birachirwa Patrick, Lukamata Kulu Colette, Lese Bakomoyo Victorine, Mabaya Gizi Amin Jean-Philbert, Makangu Kabongo Georges-Éric, Makila Soumanda José, Mamboleo Muguba Itunda Milamba Léon, Manza Anza Dieudonné, Mangadi Bifoulou Aimé Patience, Mapendi Maneno, Matata Mponyo Mapon Augustin, Mbonga Magalou Ngwanda Louis, Mbouy Ngoy Odette, Miruo Mugorozi Stéphane, Mobutu Diala Kassa Albert Philippe, Mokelo Mumba Kebeke Célestin James, Mokolo Wapombo Edouard, Moleka Liambi Jean de Dieu, Molicho Sadi Didier, Mona Lux ML Mona Kayoko Pauline, Mosisi Makota Mike, Paif Mupele Fidèle, Mwaka Mwaka Roger, Mukalai Kionde Célestine Hortense, Mukiti Baumbilia Jean, Mumengi Chikudi Didier, Mundela Kanku Edi, Mwananjo Boye Kombo Dieudonnette, Mutombo Bwebwe Hippolyte, Muyamba Ngov John, Muyumba Foura Francine, Muzangisa Mutalenu Laurent, Mafoua Bopali Frédéric, Mwando Kantepa Christine, Mawatadi Banjila Chibondo Boni, Mwendabantu Munongo Godefroy, Ngambani Ngovoli Adonis, Monda Ndoli Nestor, Bundiaza Bayokisa Kisula Nefertiti, Nikomba Sabangu Madeleine, Tumba Mbui Flori, Omba Pele Djunga Raymond, Bande Kapopo Célestin, Rubuye Akizimwami Eric, Salabia Isambakana Augustin, Samaki Anidoutini Norbert,
Sanguma Temongonde Mosai. Che Okitundu Lundula Leonard. Tambwe Mwamba Alexi. Tibasemi Bogemu Ateni. Ukechi Mouswa Rundi Alphonse. Ulungu Ekunda Lukata Berthold. Weka Ukaba Piero. Bunavandi Kanyamiigo Celestin. Zabalafio Angala Jean-Pierre. Diaka Angelani Ange. Merci. J'attends le résultat du vote. Au palais du peuple de Kitali à Bakini Mibeko, il y a solo Tochibon Kolanda, Baroti Kobia, Kumbu, Yabakini Mibeko, Manson, Bayibazwami, Aokati, Yamakita, qui pense au palais du peuple. Voici le résultat de l'appel nominal. Sur 109 membres que compte le Sénat, 57 membres sont présents et donc le quorum est atteint, nous pouvons valablement siéger. Chers collègues sénateurs, vous remarquerez qu'il y a quelques absences au sein de votre bureau. Je vous informe que le premier vice-président est à Lubumbashi aux obsèques du doyen Antoine Gabriel Kyungwa Kumanza qui est décédé, de même que le rapporteur, mais qui aussi en même temps a perdu un parent. Donc tous les deux se trouvent à Lubumbashi. Le deuxième vice-président est toujours aux soins médicaux aux États-Unis d'Amérique. Donc je vous devais cette explication. Deuxièmement, avant que nous puissions entamer l'ordre du jour, je voudrais vous informer que nous avions saisi le Premier ministre pour demander à ce qu'il désigne les membres du gouvernement qui doivent procéder avec nous à l'évaluation de l'état de siège. J'ai reçu la réponse du Premier ministre qui a désigné le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, la ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il se fait que la date n'avait pas été précisée, et donc nous avons convenu que dans les jours qui viennent, nous puissions organiser soit une séance avec les membres du gouvernement concernés et notre commission défense, sécurité et frontières, à laquelle tout autre sénateur serait invité s'il le souhaite, ou alors nous pourrions tenir carrément une plénière quant à ce, de manière à ce que les ministres concernés puissent nous faire l'état des lieux sur l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu.
Aujourd'hui, ils sont en conseil des ministres. Nous allons donc procéder à la prorogation, mais en même temps, nous allons programmer cette séance-là. Mais je vais me référer à vous pour savoir si nous devrions les inviter à la commission ou alors ce sera une séance en plénière. Ceux qui ont un avis peuvent le manifester et nous allons nous prononcer. Collègue Kambaï, collègue Boshab, vous notez là. Merci. Collègue Batumoko, collègue Muyumba et collègue Matata. Je reprends. Kambaï, Boshab, Batumoko, Muyumba et Matata. Voilà. Collègue Kambaï, vous avez la parole. Merci à votre président pour la parole. Je voudrais soutenir la position de la plénière, c'est-à-dire que nous puissions nous organiser dans la plénière parce qu'il y aura beaucoup de questions d'échange. Mais comme ce sont des questions sécuritaires, si nous pouvons faire cette plénière à huis clos, ce n'est qu'une proposition, si nous pouvons faire cette plénière à huis clos avec ses membres du gouvernement désignés. Et pour citer, je voudrais vous féliciter, honorable président, et surtout à regarder comment le bureau est composé maintenant, où il y a les mamans qui ont tous répondu présentes, elles sont là. Et ça, c'est la recommandation de l'Autriche, honorable président, vous pouvez vous rappeler. Pour l'accompagnement des mamans, je salue maman Carole, maman Ida et maman Nathalie. Sincères félicitations, honorable président, vous avez droit aux fleurs des mamans. Merci. Merci beaucoup, mais la recommandation ne demande pas qu'on écrase totalement la gente masculine. Là, je suis écrasé totalement. Voilà. Merci, collègue Boshab. Honorable président, merci pour la parole. Je voudrais vous remercier pour avoir pris en considération les préoccupations des sénateurs qui tenaient beaucoup à cette évaluation. Il est important que nous puissions savoir où nous en sommes, car enfin, les sénateurs ne peuvent pas devenir des machines à voter. Merci pour avoir pris en compte cette préoccupation des honorables sénateurs. Mais il est aussi important, honorable président, que vous puissiez programmer une plénière, car les préoccupations des sénateurs dépassent une commission. Il faudrait que chacun puisse s'exprimer librement, dire ce qu'il pense et que nous puissions, puisque nous avons en face de nous ceux qui gèrent au quotidien la question, que nous puissions avoir les réponses appropriées. Je vais soutenir l'avis du sénateur Kambaï, que cela se fasse à huis clos. Mais tout en soutenant cette proposition, nous allons bien sûr, pour éviter de parler des questions sécuritaires à la place publique, tenir la science à huis clos. Mais il est aussi question pour nos populations de savoir que les sénateurs se préoccupent de leur situation. En les faisant à huis clos, bon, il appartiendra au bureau des juges, parce qu'il est aussi important que la population sache que les sénateurs s'occupent effectivement des questions essentielles, sinon des questions qui touchent à la vie de nos populations et particulièrement les populations de l'Est du pays. Merci, honorable président. Je vous remercie, chers collègues. Collègue Batumoko. Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Aujourd'hui, ça sera pour la 8e fois que nous allons procéder à la prorogation de l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de notre pays. Honorable Président, je ne suis pas là pour contredire les autres collègues qui ont parlé. Nous appuyons leur proposition pour une plénière à huis clos, mais je voudrais ajouter quelques éléments. Dans cette plénière-là, c'est vrai que nous aurons besoin de ministres qui sont concernés directement par cet état de siège,
Mais je propose aussi, honorable président, que nous ayons quand même l'état d'écouter aussi l'état-major, comme ça sera à huis clos, l'état-major général, et peut-être au besoin aussi des deux gouverneurs qui sont en train de gérer au quotidien les deux provinces problématiques. Donc ce sont des éléments que j'ajoute, mais j'appuie que ce soit en plénière à huis clos, et une plénière qui pourra nous prendre le temps que ça peut prendre pour que nous puissions connaître ce qui se passe exactement après cette huitième prolongation que je demande aux collègues d'accorder avant que nous puissions rencontrer ces personnalités qui gèrent cette affaire au quotidien. Merci, Président. Merci beaucoup, chers collègues. Sûrement que nous demanderons que, conformément à la lettre 706 du 8 septembre du Premier ministre, qui désigne ces membres du gouvernement, nous demanderons que leurs collaborateurs puissent les accompagner, puisque le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sera invité, donc il devrait se faire accompagner de deux gouverneurs. La même chose que le ministre de la Défense se fera accompagner du chef d'état-major général et de tout autre collaborateur intéressé par la question. Même chose pour la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Collègue Muyumba, vous avez la parole. Merci, honorable président. J'aimerais d'abord vous féliciter pour le fait que vous avez à contacter le gouvernement sur cette question, parce que il était question pour nous de savoir exactement ce qui se passe et répondre également aux questions de la population quant à ces. Honorable Président, nous encourageons ces initiatives qui visent à rétablir la paix dans la partie est de notre pays. Mais au même moment, des mesures exceptionnelles ne peuvent jamais constituer la normalisation de la chose. Madame le Président, je soutiens le collègue qui venait d'intervenir. Ma position est également ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Néanmoins, le matière sécuritaire, c'est une matière très sensible. Et nous avons besoin d'entendre la profondeur en ce qui concerne l'évaluation et tout ce qui se passe. Parce que malgré tout ce qui est en train d'être fait là-bas, la question est de savoir pourquoi les tueries continuent et ça se multiplie, bien entendu. Honorable Président, je ne sais pas si nous devons le faire. C'est une question un tout petit peu complexe, en plénière, où il faut le faire au niveau de la commission ou en plénière en huis clos. Pourquoi? Si nous exposons, par exemple, les questions sécuritaires, c'est aussi important parce que là, on ne peut pas appeler ceux qui gèrent venir nous dire... nous donner tous les détails en plénière parce que ce sont des questions sécuritaires qui sont très sensibles pour les pays et aussi pour le travail que nos militaires sont en train de faire au front. Mais on peut aussi, la population a besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Soit nous le faisons au niveau de nos commissions ou en huis clos et par après peut-être aussi faire une séance plénière pour essayer de répondre aux questions de la population. Je suis un peu, mon avis est un tout petit peu partagé, honorable président, parce que c'est un peu complexe, à mon humble avis, mais je ne sais pas ce que nous allons décider. Mais c'est à nous de voir, peut-être une évaluation en profondeur, si je peux le dire, au niveau de la commission, ou en niveau, et en plus,
puisse avoir une plénière occupée, survolée sur toutes ces questions, parce que nous avons des questions aussi sensibles à poser et nous pensons que ça sera exposer notre armée ou peut-être exposer ceux qui font le travail sur terrain. Honorable Président, merci. Merci beaucoup, cher collègue Francine Muyumba. Collègue Matata, vous avez la parole. Allumez son micro, s'il vous plaît. Ça va maintenant? Oui, honorable président, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir soumis cette question au débat, parce que, comme l'a dit un collègue tout à l'heure, ce serait la 8e fois que nous nous réunissons pour cette prorogation d'état d'urgence. Et donc, il est important qu'une évaluation pertinente soit faite afin de pouvoir savoir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cet état d'urgence qui, comme vous le savez, s'appelle état d'urgence. Donc, il y a même la problématique du contenu de l'état d'urgence. Et quand cet état perdure dans la durée, il y a une certaine rupture psychologique et philosophique avec le contenu même de l'appellation. La question de débat, je pense, honorable président, qu'il est souhaitable que cela se fasse en plénière, comme l'ont soutenu certains des collègues. Et la problématique sécuritaire, évidemment, reste de mise. Complémentairement à ce qui a été dit par notre collègue Muyumba, je crois qu'on peut segmenter ça en deux compartiments. Un compartiment qui pourrait se faire à huis clos, étant donné qu'il s'agit des matières extrêmement sensibles, et qui pourrait faire notamment recours à la méthode appliquée par nos forces armées. Je crois que pour ces types de questions, il est tout à fait pertinent que cela se fasse à huis clos. Mais étant donné que la population souhaiterait être informée sur les résultats et la problématique, comme vous le savez, il y a un débat pour certains, ils pensent qu'il faut arrêter, pour les autres, il faut continuer, et il faudra quand même qu'une évaluation susceptible d'être portée au public le soit. S'agissant, honorable président, des ministres qui ont été invités. Comme vous l'avez remarqué, il s'agit essentiellement des ministres à caractère plus ou moins technique, sécuritaire, mais je crois qu'on a oublié un ministre important, c'est lui qui est en charge des finances, parce que cet état d'urgence a un impact économique et social. Il est important, honorable président, pour faire œuvre utile, qu'on sache quel est l'impact socio-économique de cet état d'urgence 4 mois ou 5 mois après. Les responsables militaires ont un objectif précis, de pacifier le pays. Mais il ne faut pas oublier que la paix a un impact, la paix a un prix. Quel est le prix économique et social de cet état d'urgence? Il est important, honorable président, pour être complet, qu'une démarche holistique soit menée. Du point de vue militaire, on saura quel est l'espace qui était occupé avant, quel est l'espace occupé aujourd'hui, quel est le nombre de groupes armés hier, quel est le nombre de groupes d'armées aujourd'hui, quelles sont les familles déplacées hier, quelles sont les familles retournées aujourd'hui, le nombre des victimes, mais il faut qu'on sache au Nord Kivu, à l'Ituri, avant l'état d'urgence, quel était le niveau des recettes collectées. Après l'état d'urgence ou en cours d'état d'urgence, quel est le niveau des recettes collectées, quel est le niveau d'investissement social ou sociaux qui ont été faits pendant cette période. Honorable Président, merci. Merci beaucoup, chers collègues.
Chers collègues, vous venez de suivre là les préoccupations très pertinentes des collègues qui sont intervenus. Je pense que nous allons vous proposer ce qui suit. Oui, pour la séance d'évaluation. Oui, pour la séance d'évaluation en plénière, mais à huis clos. Oui, pour la poursuite des détails et des travaux au niveau de la Commission Défense, Sécurité et Frontières avec les membres du gouvernement concernés. Les ministres qui sont invités sont le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Avec lui, il viendra avec les deux gouverneurs militaires. Le ministre de la Défense, qui se fera accompagner du chef d'état-major général et de tout autre collaborateur qu'il jugera utile et indispensable. La ministre de la Justice, mais également le ministre des Finances. Il est évident que le vice-premier ministre de l'Intérieur se fera accompagner aussi de l'inspecteur général de la police, parce que comme vous le savez, les gouverneurs militaires sont secondés par des vice-gouverneurs de la police nationale. Mais c'est surtout pour l'aspect de déploiement de la police, parce que certaines informations qui nous parviennent font état parfois de l'insuffisance du déploiement de la police. Vous comprenez, chers collègues, que si nos vaillantes troupes arrivent à dégager ou à anéantir ou à maîtriser les forces négatives, il faut que la police prenne possession des lieux pour sécuriser les gens. Parce que si les espaces restent vides, eh bien, il y aura toujours des forces négatives qui vont se créer ou qui vont retourner sur les mêmes espaces. D'où, il faut examiner également cette question avec l'inspecteur général de la police. Si nous sommes d'accord, pouvons-nous adopter cette démarche? Qui sont pour veiller le manifester? Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. À l'unanimité, cette démarche sera adoptée. Et je demande la rapporteure adjointe d'en tenir compte et de préparer déjà tous les courriers nécessaires. Dès que nous connaîtrons la date, elle vous sera communiquée par la voie habituelle. Avant que nous ne puissions entamer donc la question de la prorogation de l'état de siège, je voudrais rappeler à tous les collègues les dispositions de l'article 110 de la Constitution, qui dispose que le mandat de député national ou de sénateur prend fin par, à l'alinéa 6, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart de séance d'une session. Nous avions organisé une conférence de presse pour présenter une autre image de notre institution, le Sénat de la République démocratique du Congo. Nous avons pris la résolution de moderniser le Sénat, mais également d'adopter comme mode la bonne gouvernance de notre institution. La bonne gouvernance rime d'abord avec le respect des textes qui nous régissent. Et donc, il faudrait que des collègues sachent que si le trésor public les paye régulièrement, en contrepartie, ils doivent travailler, ils doivent participer aux séances
plénière et aux travaux en commission. Sauf lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter, lorsqu'ils sont en mission ou lorsqu'ils sont malades et qu'ils le signalent régulièrement. Nous avons avec nous le registre de présence et du relevé d'absence des sénateurs aux plénières de session, aux plénières de la session ordinaire de mars 2021. Je voudrais rappeler que ceux qui ont totalisé plus de 5 absences peuvent perdre déjà leur mandat. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ceci constitue en fait une sorte de rappel pour que chacun puisse assumer ses responsabilités au cas où le bureau, et il sera obligé d'appliquer scrupuleusement cette disposition constitutionnelle. Cela étant, chers collègues, nous allons donc passer à l'examen. Nous allons adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour se présente comme suit. Il y a eu d'abord l'adoption. Donc il y a l'adoption de l'ordre du jour, il y a eu l'appel nominal, et maintenant nous allons examiner la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, en nous référant à la loi adoptée par l'Assemblée nationale et qui nous a été transmise. Chers collègues sénateurs, après plusieurs séances relatives à la prorogation de l'état de siège tenues en visuel tout comme en visioconférence, nous revenons ce jour sur le même objet, à savoir l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de prorogation de l'état de siège, cette fois-ci en présentiel. Je tiens à féliciter tous les collègues pour avoir adhéré au modernisme suite à leur participation assidue aux séances organisées en ligne. Je me réfère à l'article 125 de notre règlement intérieur pour annoncer le dépôt au Sénat d'un projet de loi transmis par l'Assemblée nationale après l'avoir voté. Il s'agit de du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous allons donc l'adopter. Mais avant tout, nous allons demander à la rapporteure adjointe de nous lire le procès-verbal de la dernière séance. Rapporteur, vous avez la parole. Verbal numéro 01 de la séance plénière du mercredi 15 septembre 2021. De l'ouverture. Après l'exécution de l'hymne national, la séance est ouverte ce mercredi 15 septembre 2021 à 11h33 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple, sous la présidence de M. Modeste Bahati-Lukwebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 68 membres sont présents, un siège est à pourvoir. La liste des sénateurs absents et excusés sera communiquée ultérieurement. De l'ordre du jour, un seul point figure à l'ordre du jour,
à savoir l'allocution du président du Sénat à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021, du déroulement des travaux. En début de son propos, le président demande à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de feu honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakuwanza, des vaillants soldats tombés au front, des compatriotes victimes de la pandémie à coronavirus et des victimes des atrocités dans l'est du pays. Sur le plan politique, le président relève que l'ouverture de la présente session ordinaire coïncide avec la Journée internationale de la démocratie, où chaque pays est invité à faire un état de lieu sur l'évolution de la démocratie. Il lance également un appel à tous les acteurs politiques et sociaux pour transcender leurs divergences et ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation, afin d'éviter de retarder le processus électoral attendu fin 2023. Sur le plan sécuritaire, le président stigmatise la situation sécuritaire toujours préoccupante dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il salue la poursuite des actions conjointes et concertées par les FARDC, MONUSCO et la police nationale congolaise en vue de combattre toutes les forces négatives. Il rend hommage au président de la République pour le souci de ramener la paix dans l'est du pays. Sur le plan social et de la recherche scientifique, le président évoque les efforts fournis par le gouvernement pour soutenir les secteurs sociaux attachés à la production alimentaire, l'amélioration du traitement des enseignants à tous les niveaux, l'évaluation objective de la politique de la gratuité de l'enseignement, l'amélioration des infrastructures scolaires, la mise en place d'une politique salariale nationale qui tienne compte des réalités contextuelles de la société en veillant à une juste redistribution de la richesse et de la dotation des moyens financiers conséquents pour encourager les chercheurs dans leur domaine de recherche. Sur le plan sanitaire, le président relève la nécessité pour le gouvernement de s'atteler à la réalisation du projet de la couverture sanitaire suffisante sur toute l'étendue du territoire national, la poursuite de la campagne de vaccination contre la COVID-19, l'intensification de la sensibilisation de proximité de la population à accepter la vaccination, l'exhortation aux médecins à prescrire le Manacovid et le WS-C dans leur thérapie, la protection de la population après la pollution des rivières Chicapa et Kasai, la mise en place d'une équipe d'experts pour analyser les conséquences humaines et écologiques afin d'engager les pourparlers avec la République d'Angola. Sur la situation des provinces, le président souligne la faiblesse dans la mobilisation des ressources due au défaut ou à l'absence d'activités économiques créatrices des richesses, au manque d'infrastructures de base, à la pauvreté ainsi qu'aux crises politiques récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Il exhorte le gouvernement à faciliter l'application de la retenue progressive de 40% des recettes au profit des provinces et préconise l'activation de la Caisse nationale de péréquation. Sur ce, il déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2021 et lève la séance. Il est 11h58. C'est à Kinshasa le 15 septembre 2021. Merci beaucoup. Chers collègues, vous venez de suivre là la lecture du dernier procès-verbal de notre séance inaugurale de la session ordinaire de septembre. Nous allons devoir la doter, moyennant observation éventuelle des collègues qui pourront faire parvenir au rapporteur par écrit dans les 48 heures. Mais dans l'entretemps, nous allons adopter ce procès-verbal. Qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre,
Merci ceux qui s'abstiennent. Merci. L'ordre de le procès verbal en question, il est adopté. Chers collègues, nous allons vous donner lecture de la lettre du président de la République par laquelle il nous a saisis pour solliciter la prorogation de l'état de siège. Mais dans l'entretemps, je vous annonce que la semaine dernière et cette semaine, quatre collègues ont célébré leurs anniversaires. Il s'agit de collègues Mabaya Gizi Amine, Jean Philbert, qui totalise 72 ans d'âge. Le collègue Tibassima Mbogemu Ateini, qui totalise 70 ans d'âge. Le collègue Badi Bangantita Sami, qui totalise 59 ans d'âge. Le collègue Mapenzi Maneno, qui totalise 47 ans d'âge. Au nom de l'Assemblée plénière, en celui du bureau, nous leur souhaitons un heureux anniversaire. Nous voudrions souhaiter qu'ils vivent encore le plus longtemps possible. Nous voudrions saisir également cette occasion au nom de la transparence pour vous informer que à partir de ce jour, nous commençons la paye des indemnités de sortie du bureau précédent que dirigeait notre collègue Alexis Tambomamba. Donc, ainsi que tous les membres de leur cabinet et leurs collaborateurs. Collègue rapporteur adjointe, vous pouvez donner la lecture de la lettre du président de la République. Le président. Transmis copie pour information à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, concerne autorisation de la prorogation de l'état de siège. Honorable président, j'ai l'honneur de vous saisir, conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, afin de solliciter l'autorisation par une loi de la prorogation de l'état de siège. En effet, l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, au terme de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 et prorogé, arrive à échéance le 18 septembre prochain. À cet effet, et au vu des progrès constatés sur le théâtre des opérations qui font, par ailleurs, l'objet d'une évaluation à laquelle sont associées les deux chambres du Parlement, il se dégage l'impérieuse nécessité de maintenir la dynamique positive observée sur terrain, tout en veillant à renforcer le dispositif existant afin de vaincre définitivement ce fléau qui a sérieusement entamé les conditions socio-politiques de notre peuple appelé à un ultime sacrifice pour ce faire. Dès lors, dans le souci de l'observance des prescrits constitutionnels, l'autorisation de la prorogation est nécessaire. Ainsi, sur décision du Conseil des ministres du 10 septembre 2021, je sollicite l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat afin de proroger de 15 jours l'état de siège proclamé par l'ordonnance subvisée à partir du 18 septembre 2021. Par ailleurs, et ce, conformément aux dispositions des articles 130 de la Constitution et 32 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, qui me lie en copie,
vous transmettra pour examen le projet de loi afférent. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de ma considération distinguée, faite à Kinshasa le 13 septembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, chers collègues sénateurs. Vous venez de suivre la lecture du président de la lettre du président de la République demandant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de notre pays, en l'occurrence dans la province de l'Ituri et le Nord Kivu. À présent, nous allons passer à l'adoption donc de la loi, article par article, en commençant par l'intitulé. Je signale que à cette heure, il y a déjà 74 collègues qui sont présents, ceux qui siégeaient à la commission de sécurité sont de retour, tout comme ceux qui étaient dans la commission ECOFIN également, ils sont de retour. Et nous voudrions corriger que celui qui accompagnera le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ce sera plutôt le commissaire général de la police nationale congolaise et pas l'inspecteur général. Donc, je reçus cette correction de notre collègue Pama Baramoto, le spécialiste en la matière. Et donc, nous allons demander à Madame la rapporteure, une fois de plus, de donner lecture de l'intitulé de ce projet. Et il s'agit d'un texte qui vous a été distribué sous référence DL 33-89. Rapporteur, vous pouvez nous lire l'intitulé. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo. Y a-t-il amendement ? On me coupe aussi le micro. Y a-t-il amendement à cet intitulé ? S'il n'y en a pas, qui adopte l'intitulé, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. L'intitulé est adopté. Article 1er. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une durée de 15 jours prenant cours le 18 septembre 2021, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Merci. Y a-t-il amendement à cet article ? Non, il n'y a pas d'amendement. Qui adopte l'article 1er, veuillez le manifester. Ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Y a-t-il amendement à l'article 2 ? Il n'y en a pas. Qui sont pour ? Merci. Ceux qui sont contre ? Merci. Ceux qui s'abstiennent ? Merci. L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il amendement ? Il n'y en a pas. Qui adopte l'article 3 ? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. L'article 3 est adopté. Exposé des motifs. Exposé des motifs.
l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 est à son quatrième mois. Au terme de la période initiale de 30 jours de la proclamation de cet état de siège, le Parlement a autorisé sa prorogation pour des périodes successives de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Depuis cette proclamation, un nombre considérable des éléments des groupes armés nationaux se sont rendus, une centaine de personnes kidnappées, libérées, plusieurs armées récupérées, de nombreux bastions et sanctuaires des forces ennemies démantelées. Affaiblies, ces forces ennemies multiplient des actions de terreur contre lesquelles de nouvelles opérations sont en cours. L'objectif final de l'état de siège étant la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il est impérieux, au regard de la multiplicité des actions de l'ennemi, que les opérations des forces de défense et de sécurité se poursuivent. Ainsi, la prorogation de l'état de siège s'avère nécessaire pour permettre aux forces de défense et sécurité de parvenir au rétablissement de la paix. Telle est l'économie de la présente loi. Merci beaucoup. Y a-t-il amendement à cet exposé de motifs, chers collègues? Collègue Oulumu, collègue Bikenge. Merci, honorable président, pour la parole. J'ai quelques amendements de forme. Après la première phrase qui se termine par « quatrième mois », il y a au terme, le « A » c'est en majuscule. Et puis, deuxième paragraphe, depuis cette proclamation, un nombre considérable d'éléments, je ne sais pas, pas des éléments de groupe. Vous avez raison. Merci. Se sont rendus et dans la contenue de la phrase, une centaine de personnes kidnappées ont été libérées. Bon, plusieurs armes récupérées, moi j'allais plutôt dire beaucoup d'armes ont été récupérées, ainsi qu'à la fin, là, on peut laisser comme ça, mais ça se lit, ça se dit, mais ça ne s'écrit pas en français, je suppose. Merci, Président, pour la parole. Merci, cher collègue. Collègue Bikenge. Merci de la parole, honorable président. Mon collègue Oulungu venait de vider le contenu de mes préoccupations. Et donc, je n'ai plus rien à ajouter par rapport à cela. Merci beaucoup. Collègue Katouma. Ah oui, merci, honorable président. Je suis au premier paragraphe de l'exposé des motifs. La dernière phrase, il faut ajouter démocratique du Congo. Parce que ça peut être en confusion avec la République du Congo. Merci. Où c'est exactement? La dernière phrase, le premier paragraphe, de la Constitution de la République démocratique du Congo. Il faut préciser. Là, c'est dit de la République du Congo. Mais alors, on n'a pas le même texte. Hein. Moi, la révision de certains articles de la Constitution de la République du Congo du 18 février 2006. Ça doit être l'oubli de l'Assemblée nationale, mais le texte qui est venu du gouvernement le reprend bel et bien. Et donc, nous avons le texte de corriger. L'Assemblée nationale. Tout à fait. Merci. Nous demandons donc...
au secrétariat de pouvoir apporter la, cette correction-là. Vous avez raison. Moyennant ces corrections de forme, pouvons-nous adopter l'exposé des motifs? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. L'exposé de motifs est adopté, moyennant quelques corrections de forme. Rapporteur, il faudra veiller à ce que ces corrections se fassent avant que la loi ne soit transmise pour promulgation. Chers collègues sénateurs, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ce projet de loi ainsi que de l'exposé de motifs. À présent, nous allons procéder au vote de l'ensemble de ces textes de loi. Le total des participants à cette heure est de 75, auxquels s'ajouteront sûrement les procurations pour le vote. Je demande donc à la rapporteure adjointe de procéder à l'appel nominal pour le vote. Et quand nous allons voter, nous votons soit par oui, soit par non, soit par abstention. Merci beaucoup. Honorable Aguito Amela Carole. Oui. Assoumani Amani Jean-Baptiste. Aoutai Asenga Meda, Badibanga Tita Sami, Badou Abadou Ponfi, Bahati Lukobo Modeste. Oui. Bakomito Ngambou Jean. Oui. Bale Bila Basile. Oui. Bampunga Ndombo Beteke Richard. Oui. Baopoko Baike Lidi. Batumoko Afuzunde Jean-Pierre. Oui. Bayokita Makula James. Oui. Bazebo Febuseli Papi. Oui. Bemba Ndokwa Françoise. Oui. Bikenge Musimbi Jérôme. Oui. Bolingo Botakile Denise. Oui. Boshab Mabound Evariste. Oui. Botema Boyo Kati. Boulansung Sanata Nathalie. Oui. Tikel Diemu Gisla. Dacio Mofe Tali. Ekanga Lushima Moïse. Endundo Bononge José. Etumba Boyengo Tristan. Gerengo Vene Valentin. Goya Kitenge Bijou. Ilanga Bakonga Rigel. Ilanga Tivula Ogi. Ilunga. Ilunga. C'est un peu Ilanga Tivula Ogi. Ilunga. Ilunga Tivula Ogi. Ilunga Kitongole Alain. Oui, par procuration. Il est là. Il est là. Oui, allez-y. Il est là. Par procuration. Imanam Bile Norbert. Oui. Ignoki L'Enfel Sacré. Oui. Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kaobochi Pierre. Oui. Kabedi Kazadi Micheline. Oui. Kabila Kabange Joseph. Kabwe Mwehu Longo Isidore. Kambai Chimbumbu Denis. Kanitatu Marie-Josée Sona. Kamonji Naserwa Ida. Kanimbu Shindani Michel. Oui, par procuration. Kapia Tumba Augustin. Katumwa Mukalai Diki. Kaumba Lufunda. Oui, par procuration. Kazadingoy Gabriel. Oui, par procuration.
Kazadi Niembwe Dieudonné, oui par procuration. Ibaya Mounembwe Jean-Pierre, oui par procuration. Kidima Zumba Ida, oui. Kimbuta Yango André, Pama Baramoto Kata Filemon, Kunda Kisenga Irène, Lelo Nzazi Roli, Lilongo Botili Banza Jean-Lori, oui par procuration. Lubala Birachiroa Patrick, oui. Lukamata Nkulu Colette, oui par procuration. Luese Guacamoyo Victorine, Mabaya Gizi Amin Jean-Philbert.